يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs, amis fidèles des rendez-vous aux économiques d'Al 24-12, bonsoir et merci de nous rejoindre pour les pros de l'écho. Ce soir, nous ferons un cap sur l'Europe pour une thématique, il faut bien l'admettre, très peu abordée par les médias dans le débat public. Il s'agit des programmes économiques de la droite dite nationaliste ou souverainiste, en d'autres termes, les partis d'extrême droite qui, après s'être installés durablement dans le paysage politique européen, accèdent désormais au pouvoir, Pologne, Hongrie, Italie, Finlande et bientôt Pays-Bas, le tout, rappelons-le, à quelques mois des élections européennes prévues en 2024. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces partis n'ont pas de part à la tradition politique du vieux continent, ce que l'on peut appeler une idéologie économique commune. Mis à part peut-être la chasse aux émigrés, l'opposition au programme de l'Union européenne, une certaine extrapolation de l'idée de l'État-nation sur le champ des affaires et du business. Et comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Et pour mener ce débat ce soir, j'ai la chance d'avoir avec moi d'imminents experts, à commencer par vous, Henri Sterdignac. Vous êtes économiste français, fondateur des économistes atterrés. Vous êtes l'auteur de manifestes d'économistes atterrés ou encore de l'Europe maltraitée, entre autres. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Michel Bovins, économiste belge et fondateur de P2P Foundation. Vous êtes en direct avec nous depuis Chiang Mai en Thaïlande où il fait déjà presque jour. Vous êtes également chercheur pour la Civilization Research Institute et coordinateur de recherche pour le Global Chinese Commons. Merci d'être avec nous, monsieur. Bonjour, avec plaisir. Et enfin, Brahim Guendouzi, économiste, sera également direct avec nous, en direct depuis Tizi Ouzou en Algérie. Bonsoir, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de l'invitation. Alors, sans plus tarder, plantons le débat, plantons le décor de ce débat. Il a été victorieux des élections des Pays-Bas depuis quelques jours. Je veux bien parler du parti PVV de Geert Wilders. Retour sur cet événement avant de revenir au débat. C'est un séisme politique qui est en cours aux Pays-Bas. Geert Wilders, leader populiste d'extrême droite, est arrivé en tête aux élections législatives. Le Parti de la Liberté aura 37 sièges sur les 150 de l'Assemblée, ce qui fait de lui le parti le mieux représenté, bien que ne bénéficiant pas d'une majorité. Selon la tradition hollandaise, bien que tacite, le premier parti peut prendre la tête de la nouvelle coalition gouvernementale. La mission n'est pas gagnée, Wilders devra composer avec les autres formations politiques. Cela dit, l'onde de choc se répand déjà en Europe. Bruxelles s'inquiète alors que Wilders a par le passé plaidé en faveur d'un exit. Une sortie de l'Union européenne des Pays-Bas serait lourde de conséquences. À Paris, Marine Le Pen se réjouit de l'arrivée au pouvoir d'un allié de plus au sein de l'Union européenne. Bien sûr, je me félicite de cette victoire parce que Geert Wilders et son mouvement sont des alliés du Rassemblement National. Ils participent du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen et ils démontrent que de plus en plus de pays au sein de l'Union européenne d'abord contestent son fonctionnement et il y a vraiment de quoi. En outre, la nouvelle donne politique hollandaise pourrait fissurer le front commun pro-ukrainien, Wilders étant moins enclin à financer l'effort de guerre ukrainien. Et pour être complet sur le sujet, rappelons qu'une première tentative de former une coalition aux Pays-Bas, coalition qui serait dirigée justement par le parti PVV, a échoué. Professeur Sterdignac, nous commencerons ce débat avec vous. Alors, est-ce que l'extrême droite en Europe a une histoire ou un ancrage économique commun, elle qui a oscillé géographiquement et idéologiquement de la lutte ouvrière, l'anticommunisme, vers des positions nettement plus libérales, ayant pour parfois seul mot d'ordre
Le Capital, inspiré notamment de la victoire de Trump en 2016 aux États-Unis, mais plus anciennement, cela peut remonter au laboratoire chilien avec Pinochet, ou même Thatcher en Grande-Bretagne, ou Ronald Reagan également aux États-Unis. Ben, l'extrême droite en Europe a des spécificités bien particulières. Hein. C'est d'abord une extrême droite qui, petit à petit, sort du tunnel auquel l'avait plongé la guerre de 39-45, le fait que beaucoup avaient collaboré avec les nazis, en particulier en France. C'est une extrême droite qui est spécifiquement anti-immigrés, anti-musulmans, anti-Europe, qui est pour une Europe des nations, qui est nationaliste donc, qui est contre la solidarité en Europe. Et donc c'est, des thèmes qu'on ne retrouve pas au même niveau dans ce qui a pu se passer au Chili ou aux États-Unis. C'est foncièrement, c'est pas un mouvement libéral, en ce sens que c'est pas un mouvement qui se dresse contre les syndicats, comme ça a pu être le cas pour Reagan ou pour Thatcher. C'est un mouvement qui se dresse en priorité contre les travailleurs immigrés. Très bien. Michel Bovens, y a-t-il eu, de par l'histoire, ou y a-t-il en ce moment encore un projet économique que l'on peut qualifier d'extrême droite en Europe, à l'image de ce que peuvent proposer des partis de gauche ou de droite traditionnels? Oui, je crois, et il faudrait peut-être inclure aussi les expériences américaines avec Trump. Et justement, ce qui est intéressant, c'est la différence entre les mouvements de droite populiste anglo-saxons et les Européens. Oui. Donc, ce qu'on voit par exemple aux États-Unis, c'est qu'ils sont très, quand même encore, très néolibéral. Donc, ils font des promesses au peuple, mais une fois qu'ils sont élus, ils diminuent les taxes pour les plus riches. Et donc, on voit que Trump, par exemple, il a perdu une partie du vote ouvrier dans l'élection qui a suivi. Par contre, les Européens, donc je pense surtout à l'expérience en Hongrie et en Pologne, donc ils sont issus de la démocratie chrétienne à l'origine, donc ils ont quand même un côté social qui est, je dirais, dans leur ADN d'une certaine façon, et donc ils ont aussi des politiques sociales. La différence avec la gauche, moi je dirais plutôt que c'est jusqu'où va la solidarité nationale. Et donc là où la gauche est plutôt aujourd'hui globaliste et pour la libre circulation des personnes, cette droite nationaliste, elle va dire non, c'est uniquement pour notre peuple. Et alors il y a toute une discussion sur ce qu'est notre peuple et on va exclure les gens qu'on considère pas comme le peuple. Donc par exemple aux Pays-Bas avec Wilders, c'est plutôt anti-islamique. Mais ça peut être différent en Pologne, c'était plutôt contre les anciens communistes. Mais c'est quand même important de voir qu'il y a ce mélange des deux. Donc il y a le côté souverainiste, il y a un côté populiste, donc quand même qui doit répondre à un certain besoin populaire et qui là peut ressembler à la gauche et même être plus à gauche que la gauche, puisque beaucoup des demandes des populistes ressemblent plus au programme de la gauche en 1980 que ce qui existe aujourd'hui en tant qu'alternative. Mais donc, plutôt que regarder vers le haut, donc on va dire par exemple la gentrification ou la spéculation financière, donc ils vont mettre l'accent sur le fait par exemple que s'il y a une crise de l'habitat aux Pays-Bas, c'est plutôt lié aux migrants. Alors je ne dis pas que c'est pas aussi, ça peut être aussi le cas, qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent, mais ils vont en général quand même se focaliser donc, sur le non-national comme cause de la problématique. Et donc, ils sont souverainistes et ils mettent en avant la nation comme communauté. Ouais. Et alors, il faut délimiter cette communauté. Et là, toutes les controverses peuvent suivre de la façon dont ils considèrent où sont les limites de cette communauté. Ouais. Puisqu'on ne va pas montrer la solidarité avec les gens qui sont à l'extérieur de la communauté. Très bien.
Brahim Guendouzi, dans le contexte actuel de la mondialisation économique qui est rendu directement responsable des délocalisations des entreprises industrielles et donc par extrapolation du chômage, l'étranger ou celui dont on se représente qu'il est, même s'il ne l'est pas, sert, on le sait, hein, donc de bouc émissaire. Est-ce que ce raisonnement, ma foi, assez simpliste et démagogique, peut permettre à quiconque de tenir la barre d'une économie quelconque, là aussi pendant 5 ans, par exemple, le temps d'un mandat? Effectivement, parce qu'on peut considérer que la plupart des économies nationales sont en fin de compte tirées par des grandes firmes multinationales et qui ont, avec le temps, procédé à des fragmentations des processus productifs pour obtenir des coûts bas, pour avoir des nouveaux marchés. Et donc, le processus de mondialisation a entraîné une délocalisation des entreprises dans l'espace mondial. Mais les économies européennes ont aussi profité parce que la mondialisation a créé de la croissance et elle a créé des emplois, mais pas ceux qu'il y avait dans la configuration ancienne. Mais la mondialisation a créé des emplois sur des filières, sur des créneaux hyper spécialisés, et ça a donné lieu à ce qu'on appelle maintenant les inégalités sociales. Oui. C'est vrai que dans ces pays-là, dans ces économies-là, il y a un certain déclassement, des classes moyennes, parce que justement, il y a une modification de l'emploi, il y a une délocalisation d'activités qui ne sont pas rentables dans ces pays-là, et que globalement, donc il y a, si vous voulez, le processus de fragmentation des productions à travers l'espace mondial. Certains pays ont gagné, d'autres ont perdu, parce que c'est la compétitivité des marchés. Oui. C'est les marchés financiers qui ont aussi piloté en grande partie cette mondialisation, puisque maintenant nous sommes dans la financiarisation des marchés et le processus est toujours en cours. Maintenant, disons, les partis de l'extrême droite préconisent le retour au nationalisme économique. Il me semble que c'est complètement dépassé, si ce n'est dans des circonstances particulières, en cas de crise économique grave, on peut à la rigueur une économie se renfermer sur elle-même, mais on ne peut pas revenir sur cet aspect-là. C'est maintenant avec des domaines où la technologie, l'innovation, etc. sont des sources de la croissance. Je pense que le discours économique préconisé par les partis d'extrême droite ne passe pas dans une réalité de l'économie mondiale. Très bien, merci Brahim Guendouzi. Alors, Henri Sterdyniak, beaucoup d'économistes, je ne sais pas si vous en faites partie, estiment que le vide idéologique dans le modèle économique des partis nationalistes a été comblé durant les 30 dernières années par de nombreuses défaites de la gauche qui contrôlait les classes ouvrières, celle-ci ayant pour beaucoup basculé sur des votes en faveur de l'extrême droite et lui ont permis en quelque sorte de donner un corps à ce qu'il défend, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la préférence nationale et le protectionnisme industriel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette théorie, Henri Sterdyniak? Les gauches européennes qui ont contribué à ouvrir l'Europe à la mondialisation, qui ont contribué à ouvrir les pays à l'Europe, ont bien sûr sont ressentis comme coupables, ouais, par les classes populaires, comme coupables des pertes d'emploi, des pertes de la délocalisation, de la paupérisation d'une grande partie des classes populaires. Ils sont considérés comme coupables, enfin l'Europe qui est considérée comme coupable d'avoir laissé rentrer massivement des travailleurs immigrés que un certain nombre de gens des classes populaires considèrent comme étant responsables du chômage. Donc tout ça fait que la gauche, du moins la gauche des partis socialistes, oui, qui co-gère l'Europe avec les partis droite et partis du centre, eh ben elle est considérée comme responsable de la situation. Et donc le discours de l'extrême droite, ça consiste à dire, ben, on a des coupables,
les migrants, contre lesquels l'Europe ne fait rien. On a des coupables qui est l'ouverture des frontières que l'Europe et la gauche a encouragé, et donc la gauche est perçue par une grande partie des classes populaires comme ayant oublié les intérêts des classes populaires pour les avoir livrés à la concurrence des travailleurs immigrés d'un côté et de l'autre côté des produits à bas coût provenant d'Asie. Ouais. Et donc c'est pourquoi le discours de l'extrême droite anti-Europe, anti-mondialisation, anti-immigration a pu prendre une grande partie des couches populaires. Henri Sterzignac, est-ce que vous serez d'accord pour dire que ce qui a été perçu comme une trahison en 92, hein, donc j'entends par là Maastricht pour les pays qui ont voté contre, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que cet événement, ce fait-là, a accentué, a amplifié cette brèche, Henri Sterzignac ? Oui, c'est-à-dire que les classes populaires ont l'impression que, naturellement, il n'y a plus aucun pouvoir au niveau national, que tout est décidé par la technocratie au niveau européen, et donc que la seule solution, c'est de rassembler les couches populaires, hors travailleurs immigrés, contre la bureaucratie européenne, et c'est pourquoi on a la Pologne et la Hongrie qui sont très opposées, oui, à l'Europe, et on a le Nexit qui est promu par le nouveau leader des Pays-Bas, bien que, on voit très bien avec l'exemple de l'Italie que c'est pas si facile à faire. En effet, Henri Sterzignac. Alors, Monsieur Bovins, le modèle économique des partis dits nationalistes en Europe, en apparence anti-libéral, est bâti peut-être sur le principe de la préférence nationale et un certain protectionnisme, on l'a dit, qui s'oppose à l'idée de la globalisation et du marché sans entrave. Est-ce que c'est une fin en soi, cette bâtisse, ou est-ce un moyen politique tout simplement permettant justement, au-delà de ce discours démagogique et populiste que ces partis tiennent, permettant d'accéder au pouvoir? Alors, je crois que c'est un peu les deux, évidemment, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils vont faire des promesses et un certain langage, mais qui n'est pas nécessairement réaliste par rapport à la réalité et aux moyens qu'ils peuvent avoir. Donc, par exemple, il y a beaucoup de mesures dans le programme de Wilders qui sont entravées soit par la Constitution, soit par les règles européennes, et soit par le besoin d'obtenir une majorité parlementaire. Donc là, il y a un jeu électoral qui est fait pour attirer une certaine réaction, tout en sachant qu'une fois au pouvoir, ils sont obligés de faire des compromis. On peut voir par exemple en Italie, donc Meloni, qui avait un programme très, très fort centré contre l'immigration, finalement, ça n'a pas beaucoup réussi par rapport à ce qu'elle voulait. Et donc à ce moment-là, ils vont plutôt faire des mesures symboliques, mais à forte charge symbolique, alors qu'en pratique, finalement, ils ont pas tellement de moyens. Donc il faut quand même voir qu'aujourd'hui, qu'on est à gauche ou à droite, c'est la même chose. Donc l'arbitre final, c'est les marchés financiers. Et si vraiment on va au-delà des limites qui sont posées par les forces financières, ben dans les 3 jours, les banques sont fermées. Donc il y a tout un jeu de réalisme. Et on peut effectivement se poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est réaliste de changer la situation uniquement dans le cadre d'un État-nation ? C'est un vrai problème. Et donc là, on peut se demander si... C'est une politique purement souverainiste, c'est vraiment une solution, puisque on voit bien qu'en Angleterre, le Brexit a quand même aussi fait beaucoup de dégâts. Donc oui, il y a on va y revenir, côté justement. Une souveraineté qui a été gagnée au niveau politique, oui, mais il y a une perte économique substantielle. Reste à voir si ça va être temporaire ou pas.
Mais en tout cas, on est dans une situation globale, transnationale, où la finance peut bouger très vite d'un pays à l'autre. Et c'est ça, finalement, que les politiques de réforme ont été bloquées pendant 40 ans maintenant. Et donc, c'est contre cette stagnation au niveau de la politique, où la gauche et la droite sont devenues très, très similaires, finalement, dans leur pratique réelle, même s'ils peuvent promettre des choses différentes. Qui a une sorte de rage populaire qui est en train d'augmenter. Oui. Et moi, je crois quand même qu'on est à un point pivot, puisqu'on voit toute une série de victoires électorales de la droite populiste, et on voit déjà des démonstrations qu'on a vues à Dublin ou en France, avec le meurtre de Thomas dans un village, où on voit que... Oui. On va dire des jeunes citadins de droite commencent à ne plus hésiter à aller dans la rue. Donc ça, c'est nouveau. Hein. C'était en principe, avant, c'était la gauche qui faisait des démonstrations. Et aujourd'hui, il semble quand même que la colère populaire, elle s'exprime par le populisme. D'ailleurs, on peut faire une carte aujourd'hui entre le vote communiste en France et le vote du RN. Et c'est les mêmes quartiers qui votaient communistes. Qui votent RN. Alors, ce n'est pas les mêmes personnes, c'est les enfants des parents communistes qui se disent « mais ça n'a rien donné ». Très bien. Et donc, ils votent aujourd'hui sur un parti comme le RN. Brahim Guendouzi, justement, l'Union européenne et sa conception de l'économie sans frontières a été l'une des raisons qui ont mené vers le Brexit, on le sait désormais. Si l'on se base sur cet aspect-là de l'histoire politique et de l'Europe et des conséquences que cela a produit en Grande-Bretagne, comme Michel Bovins vient de le rappeler. Sur le plan économique notamment, comment évaluerez-vous cette expérience du Brexit et son rapport avec les programmes proposés par l'extrême droite en Europe? Alors, la construction européenne prive les États de leur souveraineté. Donc, il y a un problème de fond qui est posé par les partis d'extrême droite. Par exemple, il pose la question liée aux politiques publiques, le financement des politiques publiques, alors que la Commission de Bruxelles a des règles. Vous faites probablement référence. D'obtenir des financements, des aides, etc. Donc ça, c'est une question qui est posée à des chefs de la plupart des pays de l'Union européenne. Le deuxième aspect, c'est la création de l'euro qui fait que la Banque centrale européenne maîtresse la politique monétaire dans l'espace euro. Et là, ça pose aussi des problèmes et des inégalités. Notamment fiscal, en temps d'inflation. Sur le plan fiscal, sur le plan d'autres activités économiques, des financements. Et ça, c'est aussi un problème que posent les partis d'extrême droite. Troisièmement, c'est les ressources fiscales limitées qui ne donnent pas une marge de manœuvre aux États et qui permet justement aux partis d'extrême droite de tirer profit du mécontentement populaire, notamment du déclassement des classes moyennes. Et enfin, le quatrième aspect, c'est lié aux inégalités dans les aides que donne l'Union européenne à différents pays qui sont membres. Et certains pays en sont mécontents par rapport à d'autres. Et pour revenir à la Grande-Bretagne, le Brexit a fait que c'est une victoire politique pour une classe anglaise, mais globalement, la situation économique du Royaume-Uni n'est pas très, très avantageuse actuellement. Elle pose problème et ça se répercute sur l'ensemble de la population. Très bien, Brahim Guendouzi. Henri Sterdyniak, prenons, si vous le voulez bien, un cas pratique maintenant, celui d'un novice dans la sphère politique des partis souverainistes. Il s'agit d'Éric Zemmour et son mouvement Reconquête qui, en 2022, alors qu'il se présentait à l'élection présidentielle en France, proposait ceci. Je vous propose de regarder, d'écouter avec nous avant de revenir au débat. Pour que nos entreprises, elles aussi, cessent de s'appauvrir, dès les premières semaines de mon mandat, je baisserai massivement les impôts de production pour toutes les entreprises. Nous allons favoriser la transmission des entreprises de génération en génération, comme en Italie, comme en Allemagne. C'est pourquoi je veux supprimer les droits de succession et de donation pour la transmission des entreprises familiales. Pour les TPE et les PME, je veux qu'elles ne payent que le taux réduit de l'impôt sur les sociétés, 15%, jusqu'à
300 000 euros de bénéfices. Nous jetterons les bases de notre souveraineté numérique en faisant émerger des solutions françaises souveraines, notamment dans le cloud et la cybersécurité. Nous imposerons par la loi que les données sensibles des Français et de l'État soient stockées sur ces solutions françaises souveraines. La France ne doit en la matière dépendre que d'elle-même. Dès mon arrivée à l'Élysée, je créerai donc un livret innovation qui permettra aux Français d'investir en direct ou via des fonds d'investissement dans des TPE, PME, entreprises de croissance, sans aucune fiscalité sur la plus-value. Quand vous créez une entreprise, je veux que vous puissiez embaucher sans être tout de suite ponctionné. J'exonérerai de charges sociales vos deux premières embauches. Je veux donc refaire de la France une terre d'industrie. Et en la matière, nous avons un lourd retard à rattraper. En 30 ans, nous avons perdu 1,3 million d'emplois dans le secteur. Notre balance commerciale s'est effondrée pour devenir la plus déficitaire des pays de l'OCDE, 85 milliards d'euros en 2021. Face à l'urgence, nous créerons des zones franches industrielles sur le modèle des zones franches urbaines pour recréer de l'activité dans les territoires sinistrés par la désindustrialisation. Pas d'impôt de production, pas d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans pour toute industrie qui s'installe dans une de ces zones franches. Je compte baisser de 30 milliards d'euros les impôts de production qui frappent les entreprises en supprimant en priorité la C3S et la CVAE. Henri Sterdyniak, de la baisse drastique d'impôts, donc de l'antifiscalisme, du social à travers la suppression ou la réduction des charges sociales et très peu de chiffres. Bref, ce que l'on a appelé en France la stratégie du floutage. Comment financer et mettre en place de telles mesures qui vont à l'encontre des principes de Bruxelles, du patronat et du libre marché sans se prendre un énorme mur au bout peut-être de 6 mois à la tête du pouvoir? Là, on a un exemple de programme, disons, libéral. Hein. Zemmour essaye de récupérer les voix des petits patrons qui sont effectivement un des clients privilégiés de l'extrême droite avec le discours contre la fiscalité, contre les cotisations sociales, avec évidemment cette contradiction que si on diminue très fortement les impôts et les cotisations sociales, il faut d'une façon ou d'une autre annoncer clairement qu'on va baisser les prestations sociales ou privatiser la santé ou privatiser l'éducation. Donc on a un discours qui n'a un discours, disons, qui n'a pas grand sens, mais qui est un discours, disons, populiste, dans lequel on privilégie les réductions d'impôts sans avoir un plan. Donc, selon vous, un discours pas viable économiquement parlant. Vraiment cohérent. Et on a vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec Liz Truss, c'est-à-dire que si on annonce massivement des baisses d'impôts alors que la France a déjà un déficit extérieur important, ça va inquiéter les marchés financiers et donc c'est pas longtemps tenable. Très bien. Michel Bovens, le parti PVV de Wilders, parlons-en, aux Pays-Bas, inscrit deux principes fondamentaux dans son programme économique. La chasse aux émigrés, d'une part, l'opposition au programme de Bruxelles, d'autre part. Là aussi, peut-on réussir à faire fonctionner une économie uniquement sur ces deux bases? La réponse va être un peu nuancée. D'abord, je voudrais quand même nuancer chasse aux émigrés parce que le programme, c'est de limiter l'immigration aux Pays-Bas. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il a quand même un soutien, même dans la population musulmane, qui est normalement visée, puisqu'il est très anti-islamique. En plus d'être anti-migrant, il est anti-islamique. Mais comme il y a quand même beaucoup de problèmes aux Pays-Bas,
même dans les couches migratoires, il y a un certain soutien parce qu'ils sont conservateurs, ils veulent plus d'ordre dans les rues et des choses comme ça. Bon, alors le problème de l'Union européenne, c'est un vrai problème, mais c'est, je dirais, il y a deux aspects différents, c'est l'euro, oui, et l'Union européenne. Donc l'euro, c'est quand même un vrai problème puisque ça empêche les pays de s'ajuster par rapport au déséquilibre. Oui, donc comme avant, ça a été rappelé par qu'il y avait l'euro, si un pays allait mal, donc il pouvait y avoir une baisse des prix, une déflation, et donc du coup, les produits devenaient moins chers et la situation pouvait s'équilibrer. Et avec l'euro, c'est plus possible. Donc on voit des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce qui sont complètement bloqués parce qu'ils sont en désavantage par rapport aux pays du Nord. Mais en fait, ils n'ont plus de pouvoir d'ajustement avec l'euro. Donc ça, c'est un problème particulier, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'euro? Alors au niveau des règles européennes, c'est tout à fait évident que ça entre dans le jeu puisque, on va dire 70%, je suis belge, hein, donc 70% des mesures que propose Wilders sont en fait limitées par les règles de l'Union européenne. Et je voudrais vous rappeler que, comme la France, le peuple néerlandais avait voté contre Maastricht. Donc il y a déjà a priori un sentiment anti-européen, ou en tout cas, je dirais plutôt anti-institution européenne dans le pays. Donc il y a déjà un terreau sur lequel il se passe. Mais vous avez tout à fait raison. Donc dire non à deux oui, aspects, c'est pas une politique. Michel Bovin, je vous prie de m'excuser. Nous allons faire une petite pause avant de revenir au débat très rapidement. De retour sur le plateau des pros de l'écho où nous parlions avec nos invités, Henri Sterdignac, économiste, Michel Bovin, c'est également économiste, et Brahim Guendouzi, autre économiste du programme économique de l'extrême droite qui talonne et qui frappe aux portes du pouvoir en Europe, pays après pays. Brahim Guendouzi, le rapport qu'entretiennent les partis justement d'extrême droite au travail en Europe est souvent lié un autre rapport, celui à l'immigration. Et au moment où cette Europe a besoin de plus en plus de travailleurs immigrés, nous dit-on, notamment sous l'impulsion de la démographie dans certains pays comme l'Allemagne, il y a l'impératif de baisser le coût du travail au profit de davantage de compétitivité face à la machine asiatique et à sa tête chinoise. Est-ce que ce modèle, là également, est-ce qu'il peut réussir ? Effectivement, il y a un problème dans les pays européens, pour la plupart, hein, le problème du vieillissement des populations. Et donc, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée tout d'abord, une main-d'œuvre qui est capable de prendre en charge les activités économiques qui sont de plus en plus complexes maintenant, puisque l'économie mondiale, donc les économies européennes ont changé de paradigme, tout fonctionne à partir des innovations, à partir d'innovations technologiques, à partir de nouvelles activités qui sont intégrées dans tous les processus, la digitalisation, la sécurité informatique, la robotique, etc. Et pour aller dans ces domaines-là, on a besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Et cette main-d'œuvre hautement qualifiée, il faut la chercher là où elle existe. Et c'est donc le problème, la mobilité de la main-d'œuvre qui est devenue, disons, un problème. Ouais, auquel est confronté tous les pays et toutes les économies, y compris celles européennes. Donc chaque pays cherche une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de prendre en charge des activités nouvelles à base d'innovation, à base de technologie. Et c'est une véritable concurrence qu'il y a sur les talents qui existent à travers le monde, qui maîtrisent ces domaines d'innovation et de technologie. Maintenant, il y a un aspect particulier sur lequel se fixe les partis d'extrême droite, c'est la question des réfugiés, qui oui, est effectivement un problème dans certains pays comme l'Allemagne ou la France. Mais sinon, maintenant, la question de la main-d'œuvre immigrée ou pas est largement dépassée par les processus productifs à base d'innovation et de technologie.
Très bien, Brahim Gündouzi. Henri Sterdyniak, ce qui peut frapper avec les programmes économiques de certains partis d'extrême droite comme le RN, par exemple, c'est cet aspect keynésien qui ne dit pas son nom, d'une certaine relance par la demande, notamment avec des mesures sociales, mais pas pour tous, particulièrement après la crise Covid et la fièvre de la relocalisation industrielle, au moment où l'inflation bat des records en Europe. Là également, est-ce bien raisonnable selon vous? D'abord, il faut dire que le paradoxe de la victoire de l'extrême droite aux Pays-Bas, c'est que les Pays-Bas ont massivement profité de l'Europe. Oui. Les Pays-Bas ne sont pas un pays qui aurait besoin de dévaluer, ce n'est pas du tout la situation. Ce que les Pays-Bas craignent avant tout, c'est d'être obligés de payer pour les pays du Sud, pour la Grèce, l'Italie. Donc c'est une sorte d'égoïsme national plutôt que le fait qu'ils soient contraints par... Par l'Europe. Il faut rappeler aussi que les Pays-Bas est un pays qui pratique la concurrence fiscale donc, et réglementaire, qui donne des avantages aux firmes pour qu'ils déclarent leurs profits aux Pays-Bas plutôt que dans d'autres pays. Oui. Donc, considéré comme un paradis fiscal, rappelons-le, les Pays-Bas. C'est pas la victime de l'histoire. Les partis d'extrême droite sont tout vent debout contre les chômeurs. Ils considèrent que les chômeurs, c'est des paresseux. Donc, il faut réduire les prestations chômage. Il faut réduire toutes les aides aux immigrés, notamment aux immigrés de fraîche date. Mais en contrepartie, souvent, ils sont pour... On l'a vu en Pologne, en Hongrie, en Italie, ils sont pour augmenter les prestations familiales, parce qu'ils considèrent qu'il faut absolument avoir des enfants, et des enfants bien polonais et bien hongrois. Voilà, on est maintenant dans une... Et par ailleurs, les travailleurs, les partis extrême droite considèrent que les travailleurs immigrés viennent prendre le travail des nationaux, alors que souvent, ils occupent des emplois que les nationaux ne voudraient pas remplir. Il y a un problème spécifique des travailleurs immigrés sans papier qui font les petits boulots mal rémunérés avec des conditions de travail précaires que les Hollandais ou les Français ne voudraient pas faire. Donc, il y a une certaine incohérence à ce niveau-là. Et par ailleurs, maintenant, les partis d'extrême droite, si effectivement ils s'unissent, peuvent réussir à bloquer l'Union européenne, soit en mettant des veto dans un certain nombre de décisions, soit en ayant une majorité de blocage au Parlement. Et donc, il y a une force de nuisance qui peut apparaître. Et il faut rappeler aussi, c'est également important, que le Brexit, c'était surtout pour des raisons politiques que ça a été choisi. Les Anglais voulaient avoir retrouvé leur... capacité à prendre des décisions politiques. Ils voulaient être maîtres chez eux. Ils ne voulaient pas que Bruxelles intervienne sur des affaires intérieures. Et il y a également ce sentiment chez un certain nombre de peuples, les Hongrois, les Polonais, les Hollandais, là, qu'ils ne veulent pas que l'Union européenne leur impose, par exemple, d'avoir des immigrés, leur impose la législation sur l'avortement. Il y a un sentiment politique qui est peut-être plus important que le sentiment économique. Très bien, l'expression attitrée que vous recherchiez peut-être, c'est « les immigrés viennent prendre le pas des Européens », expression que l'on entend souvent sur les plateaux
télé. Michel Bovins, justement, les propositions économiques de la droite nationaliste sont fortement modelées en quelque sorte par la position de leur pays dans la division européenne du travail. J'y reviens encore à cette question du travail. C'est particulièrement clair quant à la question des régimes de taux de change et de régimes monétaires en Allemagne, par exemple, ou également en Autriche, où l'industrie, secteur clé de régimes néo-mercantiles d'accumulation, s'est révélée relativement résiliente à la crise financière de 2008. La droite nationaliste a en quelque sorte défendu la création d'un noyau dur de l'eurozone composée de pays les plus exportateurs en exigeant une restructuration rapide de la zone euro à travers la sortie des économies faibles et le resserrement autour d'économies de force comparables si l'euro ne se stabilisait pas. Comment analysez-vous ce phénomène et cette théorie ? Michel Bovins. Alors, moi je ne suis pas certain en fait que c'est complètement correct cette interprétation parce qu'il me semble que ce raisonnement vient de la droite pro-européenne, alors que justement ces nouveaux mouvements sont plutôt anti-européens. Donc pour moi c'est un vieux débat d'il y a 10-15 ans, enfin en tout cas autour de quand il y avait la Grèce qui était en crise. Donc oui. L'idée de se débarrasser d'un sud encombrant, et c'est un vrai débat. Mais franchement, je crois qu'aujourd'hui les souverainistes ils sont déjà plus loin, ils y croient déjà plus. Ils croient déjà plus dans l'Union européenne. Donc il faut quand même voir que le taux de confiance dans les institutions a fortement chuté. Et alors je voudrais quand même aussi apporter une pièce importante, c'est quand même que la gauche aujourd'hui, elle a perdu son électorat ouvrier. Donc la gauche aujourd'hui, c'est le parti des franches urbaines. Oui. Donc les gens éduqués. Donc on va dire la classe cognitive urbaine et la droite elle va rafler tous les gens qui sont dans le travail physique, les ruraux et les petits entrepreneurs. Donc ça c'est la vraie division à mon avis aujourd'hui qui se profile et donc ça c'est très mauvaise nouvelle pour la gauche en fait puisqu'ils ont perdu leur socle sociologique. Et alors il y a un aspect que j'aimerais insister, parce qu'il y a une guerre culturelle qui est quand même en cours aux États-Unis et dans tout le monde occidental, entre deux camps. Et donc le fait que la gauche et le progressisme peuvent uniquement aujourd'hui se porter soit sur ces classes cognitives et les minorités, c'est un vrai problème structurel. Donc moi, je crois qu'on va effectivement vivre des victoires de la droite. Alors que ça pose quel problème? C'est un, la guerre culturelle elle-même, puisque ces partis promettent de définancialiser la culture. Donc il y a tout un pan de la culture qui va fortement souffrir parce qu'ils ne vont plus être subsidiés. Et ça, évidemment, c'est politique, puisque la droite, elle se dit, pourquoi financer les gens qui vont nous critiquer et qui sont contre nous? Aussi, deuxième problème fondamental, c'est au niveau du climat et de l'écologie. Donc, le financement du social, on va y revenir, par cette droite populiste, elle doit venir des dépenses écologiques et des dépenses culturelles et des dépenses de l'aide au développement. Donc ça, c'est un problème fondamental parce que si on croit effectivement que les problèmes écologiques sont des véritables problèmes, moi personnellement j'y crois. Donc à ce moment-là, ne pas s'en occuper et pas investir dans la transition, ça veut dire que tous ces problèmes vont s'aggraver. Et donc ça, si on regarde plus loin, on pourrait dire peut-être que la droite populiste va venir au pouvoir, va se tromper, va faire des erreurs et que ça, historiquement, pourra à le recréer, de retour un espace. Très bien, c'est une manière une de voir les choses, en effet. Qui va reprendre du souffle qu'aujourd'hui, il est en train de faire. C'est en effet une manière de voir les choses, Michel Bovins. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Comme je l'ai rappelé tantôt, il fait presque déjà jour, là où vous vous trouvez en Thaïlande et vous avez d'autres engagements. Merci d'avoir été avec nous, Michel Bovins, et d'avoir justement tendu une perche, si j'ose dire,
Abrahim Gendouzi, pour ma prochaine question qui concerne justement le volet énergétique qui est l'autre talon d'Achille de l'extrême droite, hein, Abrahim Gendouzi, en Europe, qui se veut résolument anti-transition énergétique, anti-écologie, et pour le tout nucléaire, comme c'est le cas en France, en brandissant là, plus qu'ailleurs, la question de la souveraineté. À tort ou à raison, selon vous, Abrahim Gendouzi? Je pense que c'est le point faible des, disons, des discours d'extrême droite. Parce que tout d'abord, les pays européens, ils sont, pour la plupart, si ce n'est pas tous, ils sont, sur le plan énergétique, dépendants de, d'autres pays autres qu'européens, en grande partie. Les approvisionnements en énergie, soit fossiles, soit même pour le nucléaire, la matière première n'est pas en France. Donc il y a une dépendance des pays européens vis-à-vis de l'énergie. Et ça apparaît déjà dans les discours des partis d'extrême droite. Si leur point faible, ce n'est pas clair leur position sur le point énergétique. Deuxièmement, le rôle important, si ce n'est pas essentiel, des firmes pétrolières, ce qu'on appelle les majors, oui, à travers le monde. C'est elles qui décident des politiques énergétiques dans les pays européens, ce n'est pas les États. Les États accompagnent sur le plan de, d'un certain nombre de décisions, mais c'est le rôle des grandes firmes qui produisent ailleurs, qui contrôlent la technologie, qui investissent, etc. C'est là aussi une question de marché. Voilà. Troisième élément, c'est le débat sur l'environnement et le changement climatique. Je pense que la plupart des Européens sont très sensibles à cette question-là. Et je pense que le discours des pays, des partis d'extrême droite ne passe pas par rapport au débat sur l'environnement et le changement climatique. Et puisque maintenant, le problème qui est posé dans ces pays, les pays européens, c'est comment financer la décarbonisation des activités industrielles. C'est une question de fond qui est posée. Deuxièmement, comment financer la transition énergétique dès lors que des énergies fossiles sont amenées à être diminuées au fur et à mesure. Très bien. Et donc aller vers des énergies renouvelables. Donc le problème du financement est un problème qui se pose. L'engagement des pays européens pour aider les pays en développement sur le problème du carbone, la décarbonisation des activités est un problème. Et donc c'est l'ensemble de ces questions qui font que sur ce dossier précis, des partis d'extrême droite n'ont pas un discours cohérent ni même régulier, puisque ça change d'année en année, de circonstance en circonstance. Et de pays en pays en l'occurrence. Très rapidement, Henri Sterzignac, nous allons conclure avec vous. Rappelez-vous, Marine Le Pen, lors de sa campagne électorale pour la présidentielle 2022 en France, proposait d'abattre tout simplement le parc éolien à cause du faible rendement dont il était l'objet et également de cesser la subvention justement de l'éolien en France pour les mêmes raisons. Alors ces deux mesures qui ont été chiffrées à 5 milliards d'euros chacune et à l'arrivée on a 0 euro. Comment expliquez-vous justement ce talon d'Achille, qu'est le dossier énergétique en ce qui concerne les partis d'extrême droite en Europe? Parce que les partis d'extrême droite sont extrêmement populistes et démagogiques et qu'un de leurs thèmes, c'est la lutte contre justement les contraintes que la lutte contre le changement climatique veut imposer aux gens. Donc l'extrême droite va prendre tous les mauvais chevals, se plaindre que l'éolien abîme le paysage, notamment. Le paysage, ouais. Se plaindre que les vaccinations sont obligatoires, on l'a vu, se plaindre qu'on va interdire les véhicules à énergie fossile. Donc il y a un élément démagogique de l'extrême droite qui est de lutter contre les contraintes qui nous sont imposées par, dit-elle, la bureaucratie, par la bureaucratie française et aussi par la bureaucratie européenne. Donc effectivement, il y a un problème de manque de démocratie en Europe, il y a un problème effectivement de trop de technocratie, mais l'extrême droite prend très souvent des très très mauvais
cheval, chevaux de bataille, et on le voit avec, la lutte contre le changement climatique, qui est oublié, qui est une contrainte lourde pour l'humanité, et on ne peut pas la refuser en disant ben, « ça nous oblige à changer nos habitudes ». Très bien, merci. Merci à vous, Henri Sterdignac. Je rappelle que vous êtes économiste, fondateur des Économistes Atterrés. Vous étiez en direct avec nous depuis la France. Merci également à Michel Beauvins, économiste, fondateur de P2P Foundation. Vous étiez en direct avec nous depuis Chiang Mai, en Thaïlande. Et merci à vous, Brahim Gendouzé, économiste. Vous étiez en direct avec nous depuis l'Algérie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir prêté attention. Pro de l'écho, rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل.